Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc je suis pas avec Lola, enfin elle est derrière. Non mais il faut que tu viennes, hein. Je vais pas tout filmer toute seule non plus, enfin c'est bon, j'ai déjà fait l'intro. Du coup je suis pas avec Lola pour cette vidéo parce que bah, enfin, j'ai des problèmes de dos. Ça fait trop mal, il nous faut des chaises. Oui, des chaises sur le lit. Enfin c'est vrai, ma mère elle va faire le ménage tous les jours. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va changer de salle d'habitude. Ouais, donc du coup en vrai, enfin vous pourrez refaire ça si vous avez des découvertes d'artistes. Je sais pas comment expliquer, comment on va l'appeler cette vidéo. Mais en gros on va vous parler d'un artiste en particulier, d'un rappeur là en l'occurrence. Parce que bah, vous savez que nous on écoute beaucoup de rap et vous aimez beaucoup nos playlists. Donc du coup... Ouais. Si vous voulez qu'on fasse une catégorie de vidéos sur notre chaîne où à chaque fois on se concentre sur un artiste, on écoute ses sons, on regarde un peu ses clips, on fait des musicalisations, des TikTok, pardon, j'arrive pas à m'y faire. Non, non plus, j'ai pas non plus. Bah dites-nous-le dans les commentaires. Et donc là, on va parler de l'artiste KZ. Oui. Donc juste avant, on vous met nos TikTok juste à l'écran parce qu'on va faire un TikTok sur une de ses musiques. Et puis même, on fait plein de TikTok en général. Ouais, quand j'ai passé la semaine chez Lola, un soir, elle est venue me voir. Elle m'a fait écouter une musique, elle m'a dit est-ce que tu connais. Et j'ai dit ouais et tout, c'est une musique qui datait, enfin qu'on écoutait une musique, en gros, on la connaissait grâce à TikTok. Ouais, et on aimait grave quoi. Ouais. Et je lui dis bah oui. Et elle me dit bah genre. C'est, je crois que c'est le label de. Non, je sais pas. Bon, oui, c'est quelqu'un qui s'occupe de lui quoi. Oui. Cet artiste, voilà. Qui nous a contacté pour parler de lui dans une vidéo. Du coup, bah pourquoi pas, parce que bah. Ça, on le connaissait déjà. Ouais. On écoutait. Donc on va vous mettre des extraits de musique et tout. Et je pense que vous connaissez aussi. Surtout qu'on en reçoit souvent des, oui, des mails comme ça et on en a fait qu'un jusqu'à maintenant. Parce que les autres d'habitude on aime pas trop l'artiste ou tout ça, alors que là on aime bien, on connaît. C'est parti, donc alors on va un peu vous présenter. On va vous mettre en barre d'infos le lien de la chaîne YouTube. Donc elle a vraiment pas beaucoup d'abonnés, donc allez faire un tour et si ça vous plaît, faites monter les abonnés, on compte sur vous. Donc le lien barre d'infos. La team ZHS en force. Donc du coup on va commencer par la musique que qu'on connaît déjà. Bon, on la connaît pas en entier hein. Non, on connaît juste le refrain. Le titre c'est Peter Pan d'ailleurs, quand vous tapez KZ elle arrive en premier. Oui, et elle a 845 000 vues. Salut, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer votre site professionnel avec Wix. Dans mes rêves on m'appelle Peter Pan. Dans mes rêves sauve les gentils, je tue les méchants. Oh my god, what did I say that? Oh my god, the way you look at me. Dans mes rêves on m'appelle Peter Pan. Dans mes rêves sauve les gentils, je tue les méchants. Quand je veux la trêve, on veut me faire la guerre tout le temps. Mais du coup, celle-là, c'est notre préférée. Bah, donc, n'hésitez pas à dire d'ailleurs dans les commentaires si vous connaissez ces artistes. Oui, et donc. Si vous avez déjà entendu cette musique qui est vachement connue. Oui, et donc, on va vous faire écouter à peu près 5 musiques. Vous allez nous dire celle que vous avez préférée. Donc, celle-ci, c'est la numéro 1, Peter Pan. T'enchaînes et je t'aime, moi je l'ai. L'amour et moi, c'est la cata. Cata, cata, cata. Je m'attache, ça va vriller. Vriller, vriller, vriller. Fin de Fra Benzema. Aïa, aïa, aïa. À fond, va falloir piler. Pilet. Qui t'a coupé la tête du snake? Je vendrai ton âme à la sauvette. Comme il te colle, je rends justice. Donc celle-ci c'est le nouveau son qui est sorti, il est sorti il y a pas longtemps. En janvier, début janvier. Ouais, janvier. Début janvier. Donc ça c'est le son numéro 2. Après moi j'aime bien, je pars dans les délires. J'aime trop le clip. Faut que tu m'expliques pourquoi quand tu look à me ça m'excite. Faut que tu m'expliques. Faut que tu m'expliques. J'ai besoin de folie. Écoute-moi, écoute ça. Quand tu veux faire des bêtises, tu sais que je suis toujours là là là. On peut pas. Depuis tout petit on me dit ça. Donc par contre les clips ils sont hyper bien travaillés, c'est hyper beau. De toute façon vous mettrez des extraits du clip. Ouais. Mais normalement vous les avez vu en même temps que nous. Oui, celle-ci je l'aime trop. Bon. Moi aussi. Pareil, je connais pas les paroles mais elle est. Ça se rapproche plus des musiques qu'on écoute. Celle-là j'aime trop. Ouais, moi aussi. Ils pourront jamais nous empêcher d'être ce qu'on est, on a grandi, évolué, mais rien n'a changé depuis Dominique Carré. Depuis le début, je le dis, déboussolé, un chaos t'a mangé. Bah ouais, trop d'injustice, on a décidé de se lever. Signé, je m'en bats les couilles, c'est de toucher ce qui me fait vibrer. Ils sont tous là pour faire du bif, ils disent sa mère, du bif j'en ai. Je pense peu, je pense mal, je pense trop, je pense sale, je pense plus, je vis mal, je pense loin, je m'évade, je pense peu. Il dit c'est impossible, c'est pas possible, comment faire l'impossible? Que du possible. Ben ouais, y'a moi et moi, et puis y'a toi et moi sans toi, et ouais, c'est mieux comme ça. Ben ouais, y'a moi et moi, et puis y'a toi et moi sans toi, et ouais, c'est toujours mieux comme ça. Question, faut que tu m'expliques, tu m'évites à chaque fois que je t'invite. Pourtant, quand t'es avec moi, tu les vis.
Du coup voilà, on vous a fait écouter les 5 musiques qu'on préférait. Enfin après il y en a d'autres qu'on écoute, mais là on vous a mis le top 5 quoi. Ouais, non, surtout qu'on a mis, on a essayé de mettre des styles différents, genre ouais. Je pars dans mes délires, elle est différente tu vois, c'est, elle est beaucoup plus genre, il chante, enfin il rappe différemment. Ouais. Alors que dans les deux dernières c'est pas les mêmes. Ouais. Il est plus dans le parler et tout. Donc il y en a pour tout le monde, yes. Pour tous les goûts. Du coup moi ma préférée c'est Peter Pan. Moi aussi, Peter Pan, et aussi j'aime bien l'avant-dernière.